On dit toujours que c'est avec les meilleurs amis qu'on fait les plus grosses conneries. Quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite avec ton compadre l'Atlas? Oh là là, je crois que je vais pas pouvoir répondre. Bonjour à tous, alors deuxième journée à Radfair pour moi et c'est encore du lourd à venir parce que je vais tout de suite aller rejoindre Tank et l'Atlas sur le stand de la galerie Peraya. J'ai hâte de discuter avec eux et de voir les nouvelles œuvres qu'ils ont à présenter. C'est parti! Je suis avec un grand monsieur, par la taille mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah écoute, je m'appelle Jules, mon nom d'artiste c'est l'Atlas. Et voilà, je viens du mouvement du graffiti et aujourd'hui du street art. Mais ça fait 20 ans maintenant que j'ai un boulot d'atelier. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu définirais ton style qui est reconnaissable entre mille, mais on faut quand même le dire. Bah disons que j'ai commencé à rentrer dans l'histoire de la peinture par la lettre. Et puis petit à petit, je l'ai mélangé avec d'autres mouvements comme l'art cinétique ou l'abstraction géométrique ou l'art gestuel. Bon voilà, pour créer comme ça un art hybride quoi, qui soit au carrefour de plusieurs mouvements. Et là, ce qu'on voit pas forcément au prime abord, mais ça devient assez vite, c'est que quand tu regardes bien dans tout ce que tu produis, tu parlais de lettres. On voit ton nom, ou c'est généralement ton nom, c'est ça qu'on voit à la place? Ouais, la plupart, c'est toujours mon nom. Voilà, mais qu'il ne faut pas finalement aujourd'hui prendre comme mon nom. Aujourd'hui, je m'appelle Jules Dedet et l'Atlas, c'est un projet artistique qui est devant moi. Quoi, voilà. Parler un peu de technique, comment tu procèdes? Ben disons que bon, par exemple pour ce genre de format, c'est des techniques de peintre en lettres. Donc j'utilise des adhésifs en amidon de riz. D'accord. Et ensuite de la peinture projetée. Et voilà, c'est par des systèmes de réserve finalement. Là aussi, mais d'abord il y a un travail gestuel dans le fond. Donc là il y a deux techniques. Celles qui sont là-bas, c'est un système d'estampes. Donc voilà, je crée des tampons en bois à l'envers. Okay. Avec ce genre de processus, il se passe toujours des mélanges ou comme celle qui est là-bas, la Shape of Water. On est toujours surpris par le résultat, puisqu'en plus on travaille à l'aveugle. C'est-à-dire que je mets l'encre, la laque, la peinture sur le tampon et je mets la toile dessus. Okay. Et c'est à la manière dont je vais frotter, le temps que je vais la laisser, le nombre d'eau avec laquelle j'ai dilué la peinture en dessous qui va donner cette chose-là. Donc après, c'est l'expérience, quoi. Enfin, c'est le fait de l'avoir fait plein de fois qui va te permettre de savoir. Pour présenter un peu plus largement ton œuvre, me présenter un ou deux projets qui te représentent bien. Bon, j'ai des projets aussi parallèles à mon travail d'atelier, comme par exemple un projet qui s'appelle Toile errante et que je fais depuis 2001. Et donc ce sont mes 7 premières toiles, puisque Atlas dans la mythologie grecque a 7 filles et donc je m'étais calqué là-dessus. D'accord. Et ces 7 toiles, au lieu de les jeter sur le marché, je les ai gardées. Et puis je voyage avec et je prends des photos d'elles en situation dans les villes. Un peu de la même manière que je le faisais quand j'étais tagueur, je marche dans la rue, je cherche des spots. Et là je vais juste poser la toile, faire une photo 6-6 noir et blanc Rolleiflex et puis repartir avec. Donc c'est une sorte de métaphore de l'être dans le temps. Et une sorte d'autobiographie visuelle. Peut-être que j'arriverai à lui parler après. Il y a ton compère avec qui tu as une sorte de bromance, je sais pas comment appeler ça, mais depuis longtemps, je crois. Ouais, ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît. Tank Red. Ouais. Ça vient d'où Bah, Tank, on s'est rencontrés à Paris dans le milieu du graffiti. Et on avait un premier projet qui s'appelait Palisse Art sur le canal Saint-Martin. C'était les prémices du street art. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là.
Et très vite, on a travaillé ensemble. On a eu un atelier à la forge de 2003 à 2010. Okay. Et puis depuis 2010, on est dans cet immeuble au Lila où il y a John Wan, Speedy Graffito. Vous êtes toujours ensemble, On est toujours ensemble. Entre Tank et moi, il n'y a jamais une pièce qui sort sans que l'autre l'ait vue. D'accord. Et parfois, il y a des vétos, quoi. Et j'allais dire, voilà, est-ce que parfois c'est... Parfois, moi, je lui dis non, ça, tu ne peux pas le montrer. Ah ouais. Et parfois, il m'écoute pas toujours. Ouais, hein. Voilà. D'accord. Mais, et dans l'autre sens, pareil. Voilà, alors de retour sur le stand de la galerie Peraya avec Tank, cette fois-ci, qui m'a rejoint. Bonjour, merci beaucoup. Tu complètes la tête d'affiche de ce beau duo show à la galerie Peraya avec l'Atlas. L'Atlas avec qui j'avais discuté tout à l'heure et j'avais commencé par lui demander de définir un petit peu son style. Et moi, ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce qu'en fait, on ne peut pas renverser la question et est-ce qu'on peut définir ton style ? C'est une bonne question. Il y a clairement pour moi une suite dans mes diverses séries et un lien. C'est beaucoup de choses liées au trait ou au point. D'accord. Et donc, en fait, moi, je m'amuse à décliner ça. Donc, ça peut aller jusque dans l'écriture, mais finalement, à la base, c'était des rythmes, des traits qu'on pouvait retrouver dans des travaux encore plus antérieurs à ça, très abstraits. Et donc, de la goutte, de la coulure, du point, j'en suis arrivé à faire pleuvoir la peinture. Je pense que plus on verra mon travail évoluer et plus on verra justement toutes les séries, ça va faire un petit peu comme un plan. Si on regarde juste un bout, bah, c'est pas très clair, mais si on la déplie, finalement ça va faire un ensemble. D'accord. Et ça sera finalement mon style. Tu parlais tout à l'heure de traits un peu de dripping. Moi, par exemple, c'est ce par quoi je t'ai connu. J'ai d'ailleurs une de tes lithos dans mon salon qui trône fièrement. J'en suis très très content. Mais c'est vrai que c'est très différent de ce style-là. Moi, la question, c'est est-ce que tu continues à faire cohabiter tout ça ou est-ce que c'est une évolution ? Il n'y a pas de rupture entre les séries. D'accord. C'est des séries que je fais évoluer en parallèle. Au début, je fais des tests, il y a des accidents qui arrivent et qui me permettent d'évoluer. Et à un moment donné, finalement, j'arrive à obtenir une certaine perfection. Okay. Et à partir de là, j'ai l'impression que je commence à me copier. D'accord. Et que mon travail devient un petit peu plus mou et un petit peu moins intéressant. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est le moment de passer à une autre série. Mais finalement, le temps d'avoir travaillé sur une autre, j'ai un petit peu oublié comment je faisais et je me remets en danger. Et j'essaye de remettre des nouveaux matériaux, de tester des nouvelles choses et de faire évoluer cette série. Et c'est grâce à ça que finalement mes séries évoluent. Par exemple, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette série-là, qui est moi que j'aime beaucoup vraiment. J'ai puisé sûrement dans mes voyages en Asie, parce que j'avais vu beaucoup de choses peut-être sur papier et à l'encre de Chine. Et en fait, je me suis retrouvé à New York il y a 5 ans. J'étais parti pour faire des toiles très colorées, comme on les connaît. Mais finalement, je n'ai pas trouvé les bonnes bombes de peinture, les bonnes encres. D'accord. Donc je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose autour de moi. J'ai vu une boutique où il y avait du très très beau papier. Okay. Donc j'ai commencé à acheter du papier et puis j'ai trouvé des nouvelles bombes de peinture qui venaient de sortir, qui sont des bombes très très grandes avec de l'encre Krink, donc qui est de la très très bonne encre. Et je me suis dit, ah, je vais tester quelque chose. Okay. Et j'ai commencé à pulvériser des bouts de papier, à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui tombaient au sol. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais commencer à mettre des papiers au sol et à récupérer finalement cette poussière. Et puis j'ai commencé à les assembler. Et là, j'ai vu en fait des sortes de buildings, de façades de buildings avec les nuages qui se reflètent dedans. D'accord. Et donc c'était génial parce que j'étais à New York et d'un coup, j'étais en train de peindre New York, mais d'une manière totalement accidentelle. Ouais. Donc voilà, c'est parti de là. Mais finalement, les papiers juste assemblés, ça me paraissait un peu fragile. Donc je me suis dit, bon, il faut les maroufler sur la toile. Et donc j'ai commencé
elle est marouflée, elle est déchirée. Et là, j'ai commencé à voir des côtes, à avoir des sortes de paysages abstraits. Et là, bon, c'était clair. Eureka, quoi. Ouais, d'une certaine manière, Eureka. Mais tout ça, ça part souvent d'accidents. Ouais. Le tout, c'est de comprendre comment on l'a fait et d'arriver à en faire une technique et en faire une scène.